Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel sur la fabrication d'une mangeoire automatique pour volailles qui sera réalisée avec un vieux bidon de 20 litres, quelques bouts de tôle, quelques bouts de bois et un peu de visserie. Un petit dessin valant mieux qu'un grand discours, je vais vous expliquer comment préparer le bidon. Donc, je dessine un bidon. Il faut commencer par faire une découpe sur un des côtés en forme de triangle. Hop, on enlève la partie du bidon. Ensuite, on fixe deux tôles à l'intérieur à l'aide de quelques rivets. Les tôles sont recourbées, une derrière pour faire venir les graines vers l'avant. Voilà ce que ça donne une fois que les tôles sont fixées. Pour faire la charnière de la pédale, on fixe mieux un fer percé à ses deux extrémités dans lequel on glissera une tige taraudée au dessus. Voilà la plaque qui servira de couvercle à la mangeoire. J'ai fixé de chaque côté deux petites équerres percées pour la charnière, ainsi qu'un petit carré en fer fileté qui servira pour tenir la petite biellette. On fixe maintenant notre couvercle au bidon grâce à la charnière, au bout de laquelle j'ai mis deux écoufrés. On passe maintenant à la fabrication de la pédale. J'ai fixé d'un côté un contrepoids qui servira à faciliter la fermeture, et de l'autre côté un carré en fer taraudé sur lequel viendra se fixer la biellette. Sur le dessous, il y a deux équerres percées qui serviront de charnière. Une fois la pédale en place, il ne reste plus qu'à fixer la biellette grâce à deux vis sans les serrer pour garder la liberté de mouvement. Vous pouvez mettre un peu de frein filé sur les vis pour qu'elles ne se desserrent pas. La mise en place de la biellette est l'opération la plus délicate. Il vous faudra arriver à trouver la meilleure position en déplaçant le petit carré sur la pédale. Il vous faudra le fixer qu'une fois les réglages terminés. Notre mangeoire est à présent terminée. Il ne vous reste plus qu'à la remplir avec un entonnoir par le bouchon du bidon. Il vous faudra un peu aider vos poules à comprendre le système au départ, mais vous verrez, ça vient vite. Nous allons maintenant nous quitter. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette aventure. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à mettre des commentaires. N'oubliez pas aussi de nous présenter vos mangeoires. Je vous dis maintenant au revoir et à bientôt pour de prochaines vidéos.